Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map Race Color Switch pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et vous proposer de meilleurs glitch d'XP, genre 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map qui nous aident à débloquer l'XP. Donc le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Alors le code de la map d'aujourd'hui, enfin de cette vidéo, c'est 0337744421 64. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous lancez en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. Ensuite, pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne. Et vous pouvez par la même occasion liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires et qui soutiennent la chaîne. Donc là, on attend que la map se lance. Quand la map est lancée, vous appuyez sur Option, Menu et lancez le jeu. Donc là, je vais vous présenter plusieurs glitches. Donc, je vous en ai déjà présenté. Je pense que je vous ai presque tout présenté la dernière fois. Il y a peut-être un ou deux nouveaux glitches sur cette map que je vais vous présenter, que je ne vous avais pas présenté. Donc hop, directement quand vous arrivez dans la zone, vous tirez sur le mot clear. Là, il y a un premier glitch ici, juste à côté du spectateur. Vous allez faire 5 rampes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 5 plats sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 5 plats vers la droite encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, regardez, mon personnage devient bleu. Donc, quand votre personnage est bleu, vous faites une petite danse. Et là, ça va vous rapporter des XP. Donc, j'étais à 7000 XP. On va voir combien d'XP je vais gagner. Ok, j'en ai pas gagné énormément, j'en ai gagné que 4000, plus ou moins, même pas, ouais, un peu plus ou moins 4000, donc c'est pas énorme. Donc, mais bon, c'est déjà 4000 de prix. Là, je vais vous montrer un autre glitch qui se trouve là-bas. Donc, regardez, là, il y a le cube, c'est pareil ici. Donc là, vous allez construire jusqu'à un petit panneau qui vous met interdit de danser. Celui-là, normalement, devrait vous rapporter pas mal d'XP, donc on va voir ça. Avec un autre compte, il m'a rapporté 18000 XP, donc peut-être que il va m'en rapporter plus avec ce compte-là, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Donc vous allez jusqu'au panneau. Et ensuite, vous allez faire une petite danse juste ici. Hop. Donc je suis à 3000 XP. Ok, donc on a gagné 11000 XP. Donc pas autant que avec mon autre compte, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. 13000 XP. Donc ensuite, il y a encore un autre glitch qui se trouve par ici. Donc c'est un petit canard. Là, on le voit pas, mais plus vous allez avancer, et à un moment, il va apparaître. Il est juste à côté des petites herbes là, qui viennent d'apparaître. Et là, on peut le voir, le petit canard. Celui-là, avec mon autre compte, m'a rapporté 12000 XP, excusez-moi. On va voir combien ça va me rapporter. Ok. Voilà. Alors, il est juste ici. Vous interagissez avec. Donc, j'ai 72000 d'XP. Ok, donc, il m'a rapporté 7000 XP. Ok, donc maintenant je vais vous présenter trois glitches que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc c'est près de la maison. Donc vous allez près de la cabine téléphonique, vous mettez 1, 2, 3 sols, puis un sol sur la droite. Vous marchez au milieu du sol et boum, ça vous téléporte dans sur le cube en fait, hein, sur la petite île portée par le cube. Là vous montez dans la maison, vous allez près de l'armoire juste ici.
Il y a un petit bouton Earn XP, vous interagissez avec. J'étais à 65 000. Ok, il ne m'a pas rapporté énormément, il m'a rapporté 3000. 3000 XP. Donc là, je vais vous montrer les deux autres. Normalement, les deux autres vont vous rapporter beaucoup plus d'XP, donc on va voir ça. Hop, vous allez par ici. Là, vous descendez sur la gauche. Là où il y a deux carcasses de voitures, vous allez juste derrière les carcasses de voitures. Et là, il y a un petit bouton et un XP. Donc là, j'étais à 62 000. Et là, j'ai gagné 7000 XP. Ok, parfait. Donc, on y retourne pour le troisième glitch du cube, de l'île sur le cube. Donc là, je vous ai présenté combien de glitches là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc c'est mon sixième glitch là que je vous présente, si je ne me trompe pas. Donc le prochain glitch, il est juste ici, près de la racine, en face des deux carcasses de voiture. Juste ici, hop, vous interagissez avec le bouton. J'étais à 55 000. Ok, donc celui-là m'a rapporté aussi 7000 XP. Donc là, j'ai juste un dernier glitch à vous présenter. C'est près du bonhomme de neige. Donc là, vous mettez 1, 2, 3 plats. Ensuite, votre personnage devient bleu. Et vous faites une petite danse. Et là, ça devrait vous rapporter des XP. Donc j'étais à 49 000, 46, 48 000. Ok, donc ça m'a rapporté 2-3 000. 2000 XP. Donc au final, je vous ai présenté plusieurs glitches qui vont vous rapporter plus ou moins 50 000 XP. Et si vous utilisez la petite technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, bah là vous gagnerez 5 fois plus d'XP avec cette technique secrète. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne la connaissez pas. Ou sinon, bah, vous faites tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu pour continuer et refaire les glitches en illimité pour gagner plus d'XP. Donc voilà. Mais si vous utilisez la technique secrète, ça vous fera quand même 250 000 XP, ça vous fait plus ou moins 3-4 niveaux, donc c'est assez rentable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace. Dumb, 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 dumb